Hey, salut à tous les amis, c'est Kyo Anwar 3268 et aujourd'hui, même journée, on se retrouve sur le 19e épisode de Mario & Luigi Superstar Saga. Comme d'habitude. Et oui, je veux vraiment continuer ce truc là. Hein. Alors, il fallait aider le petit mec là qui s'est coincé. Oh, mais vous avez la carte de membre. Très bien. Maintenant que vous faites partie de l'équipage, vous pouvez entrer dans cette pièce. Ok, monsieur. Bon. Alors, normalement, où est... Ah, il est là. J'ai apporté ce truc brillant à l'entrepôt. Je ne sais pas à quel endroit le ranger. Eh, on le veut. Hein? Quoi? Vous dites que ce truc qui brille est un morceau de végétoile? Et que vous êtes venu ici pour le chercher? Ah oui. Je comprends, vous voulez le récupérer. Il est vrai que cela n'a pas grand intérêt. Je pourrais vous le donner, mais... Ce truc a cassé la porte de mon bateau, alors je ne veux pas le donner gratuitement. J'ai une idée. Si vous sortez Billy du mur qui se trouve là-bas, je vous donnerai ce machin qui brille. C'est donnant-donnant. Vous êtes d'accord? Bah d'accord, écoute, on peut bien aider ton ami. Hein, Écoute, ce serait une super idée. D'aider ce pauvre petit camarade là, qui s'est un petit peu... On va dire, en mêler les pinceaux, en buvant le soda hilaro. C'est un peu con ça. Alors, qui êtes-vous donc des nouveaux moussets? Non. Non, je crois qu'il faut aller voir Billy. Ou aller voir les mecs. Voyons voir. Bon. Oh, les bulles du soda hilaro me piquent les os. Voulez-vous boire avec moi? Oh merde. Ah, ta gueule, je voulais parler à lui. Venez voir, lui c'est Billy, notre infortuné camarade. Il a bu trop de soda hilaro et il ne peut plus sortir du mur. En plus, il a oublié où il avait laissé les bombes pour détruire le mur. Que faire? Billy est-il condamné à rester ici? Ah, il fallait lui parler pour aller voir l'élément déclencheur qui permet de... d'utiliser notre marteau, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, et bim là. Voilà. Donc après on peut pas en passer par là. Donc je vous le dis. Allez putain. Tout ça c'est le soda hilaro. Allez fire. Yeah. Oula. Oh, qu'est-ce qui se passe? Capitaine, le bateau est de nouveau à l'eau. Nous pouvons enfin reprendre le large. Ah, ça y est, le bateau Millésime va finalement pouvoir reprendre du service. Eh ben non. Ah, au secours, restaurez ce soir, nous refaisons naufrage. Dommage. Et ce truc nous a... Voilà, nous a abandonné, on est obligé d'aller le rechercher. Et il faut retourner dans l'eau. Quelle tristesse. Moi qui croyais qu'on serait tranquille et pas qu'on retournerait dans l'eau. Franchement, j'étais déçu à ce moment-là quand j'y jouais pour je sais pas combien de fois. C'est un peu dommage hein, qu'il faut retourner dans l'eau. Millésime, et là on est fond marin près du Millésime. Vu que ça a changé de nom de zone, parce qu'avant c'est pas loin de fond marin. Ah oui, pour ouvrir cette porte-là, je sais ce qu'il fallait faire. Là, les ennemis là ont... Pas besoin de les refaire vu qu'on s'est bien entraîné sur ce coup là. Il faut rencontrer de nouveaux ennemis ou alors de nouveaux boss, mais dans ces cas là, voilà quoi. Et je sais ce qu'il fallait faire. Voilà. Et il fallait faire ça. Oula, j'ai cru qu'il viendrait nous attaquer, lui.
Et tadaaan, vous pouvez passer par là. La dernière fois, j'arrivais pas. Hein. Ah, de nouveaux ennemis. Oula. Fallait qu'on rencontre de nouveaux ennemis, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers Luigi. Aïe. En plus, je l'aime pas, celui-là, ce monstre-là. Oh, chance. Bien joué, ça. Et là, on le réveille. Attention. Voilà. Ah, quand il pète, j'aime pas ça, en plus. C'est dégueulasse, il se met à péter en plus. Non. En quatre, plus de 4 coups. Aïe. C'est dégueulasse, il se met à péter en plus. À mon avis, pas le choix de les détruire avec des attaques spéciales. Je pense que ce sera mieux comme ça. Ce sera mieux comme ça, écoutez. Allez, voilà, bim. On passe à un autre ennemi. Ah, super. Mario. Non, Luigi. Comment définir... C'est très compliqué. Oh, dis la vache. Ils sont rien faibles, ceux-là. Oula. Putain. La vache. Et bim. Super ça. Viens là toi. Luigi. C'est bon, je sais comment définir Mario et Luigi. Mario. Olé. J'ai enfin compris. Oh. D'accord, bon, pas de chance. Mario. Hop là. Luigi. Oh. Pas facile, Tim. Par contre, si je use quand même tous les champignons, ça va être pas très 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 chouette, ça. Oh, yes. Je voulais que ça nous touche. Oh, putain. Mario. Allez. Il est mort. Oh, level pour Mario, super ça. On avait amélioré la moustache, on passe à sa life. Bon, après, si je sais pas, tant pis. Hein. Et pas pour Luigi. Non, non, pour Luigi, ça compte pas. Ah non, c'est ça. Ok. D'accord. Ah oui. J'ai cru que ce serait impossible. Eh, attends. Pff, quand même. Voilà. Comme ça, Mario est de retour avec nous. Chidori, mon pote. Hop, et ça va nous ouvrir la porte. Super. Alors, on est vers où ici? Je crois que c'est ici. Pas sûr, après.
Super! Fonds marins, 5 cantons et. Sous-cantons et, je crois. Je connais pas. Vas-y, monte, enfoiré! Je vais réussir à un moment donné, voilà. Donc j'ai pas à m'inquiéter. Eh ben je crois que c'est ici. Oh ben super ça. Oui, oui, c'est ici. J'aime bien cette musique. Hop, on va pouvoir sauvegarder, c'est ça qui est bon. Super ça, fond marin. Là on était sur fond marin après 2000 sims. Et là on est à canton et plage. Canton et. Canton. Bon allez, j'arrête. Mais bon, après c'est toujours amusant de faire des petits jeux de mots comme ça, c'est marrant. Alors, oh bah tiens, hop là. C'est ça qui est bon. Et non, on n'y est pas encore ici. Je crois qu'il faut aller... normalement il y avait une carte tout à l'heure. Où est-ce qu'il fallait passer pour aller vers eux, vers les dames là-bas? Ah d'accord, c'est là. Ah ouais. Dégagez le chemin, vous deux. Wow. Et j'ai des nouveaux sensationnels. Et les toutes dernières rumeurs, vous devez m'écouter. Oh, c'est un de ces pois brillants qui sont tombés du ciel. N'est-ce pas celui que Krustasov aurait trouvé? Krustasov, d'accord. Non, Krustasov a ramassé un pois et décoré sa coquille avec, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Cela ressemble à un arbre de Noël, paraît-il. Comme par hasard, on tombe sur ça. Eh, ça doit être génial! Nous devrions peut-être aller voir ça. Oh oui, c'est une très bonne idée, allons-y. Je pense qu'il est bien. Si vous restez là trop longtemps, attention au coup de soleil. Moi, il nous porte conseil. Attention au coup de soleil. Eh oui, il se pose la question. Ramasser un pois? Que paraît-il? Eh oui, mais malheureusement, on aura besoin de ça. Oh, tiens. J'ai mis mon micro? Oui, parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Hop là, hop là, hop là, hop là. Non, hop là. Non, hop là, hop là, hop là, hop là. Ouais, c'est bon. Et en fait, il y a un timing, je pense, pour ça. Ah, alors, qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est le centre de relaxation. Wow, pas mal ça. Il faut combien de pièces? J'espère qu'il n'en faut pas autant. Vous deux, vous cherchez Hélène et Ganton, n'est-ce pas? Non. La technique de massage d'Hélène et de Ganton est formidable. Mais leurs mains vous convaincront davantage que mes paroles. Bienvenue voyageurs, vous êtes ici dans un centre de soins dédié à la relaxation du corps et de l'esprit. Nos spécialistes du massage vont utiliser leur technique miracle pour un massage doux et apaisant. Le prix du massage individuel est de 100 pièces et de seulement 200 pièces. Pour vous deux, allons, on y va? Oui. Super, cela fait 200 pièces. Oh bien, je bave sur mon écran, je postillonne, c'est horrible ça. Allez, allez dans la pièce suivante et attendez sur le sofa. D'accord. Bon bah allons-y du coup. J'ai faim. Très très faim. Waouh. Ah, bienvenue. Comment allez-vous? Je suis Hélène. Faites-moi voir où vous avez mal à long. Allons. D'accord. Et moi je suis Ganton. Faites-moi voir également car la douleur est mon pire ennemi. Ils vont se préparer. Oh regardez-moi ça, vos mains sont vraiment très fatiguées. Et les vôtres sont... Et les vôtres aussi, elles sont terriblement abîmées. C'est à cause des pouvoirs. Ne vous inquiétez pas, nos mains font des miracles. Nous allons chasser cette vilaine fatigue. Ouais. Mmh. Et là, ça va réveiller les pouvoirs, ça. Oh, qu'est-ce que donc? Est-ce réservé? Vous maîtrisez la technique du feu? Il a remarqué que son pouvoir était... Et là, l'électricité. Et c'est incroyable, vous maîtrisez la technique du tonnerre? C'est... Les pauvres. Vous êtes vraiment des voyageurs hors du commun. C'est fascinant, ces spécialistes de la main sont exactement les personnes qu'il vous fallait. Tu as tout à fait raison.
Mais avec des mains aussi fortes, vous pourriez même obtenir. Et là... En tout cas, vous n'avez pas besoin de massage. Nous allons plutôt vous apprendre une technique de main très spéciale. Qu'en dites-vous? Bah, apprendre. Oui, je savais que vous accepteriez. Allons-y, commençons la leçon. Nous allons vous montrer une technique absolument incroyable. Si vous ne nous écoutez pas bien, vous ne pourrez pas suivre. Oh! Bon. Où ils sont? Ah, ils sont par là. Tabou, vous en vert. Avec le bouton L, choisissez une technique. Thunder. Main de puissance. Accumulez la puissance du tonnerre avec le bouton B. Ouais. Oh merde, j'ai passé, bon. Quand celui-ci à l'avant est électrocuté, utilisez la manette pour vous déplacer tous les deux ensemble. Et de dos, en fait. Oui, il faut que ça chatouille. Un bon coup d'électricité. Dans le bas du dos. Ouais, mais justement, c'est là où j'ai mal. Tu sais ces techniques pour passer des choses avec le dos ou marcher latéralement? Et maintenant, il est temps d'essayer impatient, hein? Super, essaye de me pousser avec le dos. Allez, allez, Alice. D'accord, c'est un peu sexiste, ça, non? Oh oui, bravo, bravo. Vous êtes l'expert en chatouille. Ouais. Fou en rouge, c'est votre tour, maintenant. Appuie sur Start pour changer, ouais. Ouais, vas-y, vas-y, pas le temps parce qu'il est déjà 16. Et j'ai faim, en plus. Bon, spécialement, Accumulez la puissance du feu avec le bouton B. Et juste que cette puissance soit prête à exploser, relâchez le bouton B. Oh yeah! Ouais, ça fait mal, hein. Le long de la colonne, sans hésitation. Allez, fais-le sentir. Le feu que ça brûle et c'est important. Et tu sais cette technique pour déplacer à toute allure? Encore pour renverser des choses? Bah ouais, super, il n'y a qu'à vous faire passer un petit test. Ah mais c'est bon, on a compris. Foncez en courant sur cette boule d'acier. Ok. Oh oui, bravo, excellent, vous êtes expert en chatouille. Ok, c'est tout ce que nous avons à apprendre. Oh Hélène, tu as juste oublié un petit détail. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, pour arrêter le sprint, appuyez dans le sens contraire ou sur le bouton A. Voilà, nous vous avons enseigné tout ce que nous savions. Alors maintenant, ce que vous savez, nous avons un boulot pour vous. Utilisez cette technique pour nous ramener les deux perles de poids qui sont dans cette grotte. Votre puissance est nettement plus grande que la nôtre. C'est pourquoi vous pouvez récupérer pour nous les deux perles de poids. Écoutez, je ne veux pas insister, mais si vous refusez, vous devrez payer pour la leçon. Vous devez payer 100 000 pièces pour la leçon, ou 10 000. Je sais pas. Ne restez pas, allez, vite, 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 cherchez les deux perles de poids, vite. Ok, bon, bah écoutez, on va faire ça pour vous. Et il y a deux côtés, d'accord, et celui-là, c'est le... Ah oui. Le pouvoir du bout. Oh là là, encore un. Décidément. Hop là. Et ça ouvre un autre accès. Et voilà. Et on a récupéré. Vous avez obtenu la perle poids verte. Oh bien, super, une perle de poids verte. Ensuite, allez chercher la perle poids rouge. Vite, vite. D'accord. Vite, espérons qu'on termine cette vidéo, putain. Ah oui, merde, c'est vrai, c'est faux ça en plus. Oh, comment avez-vous fait ça? On peut dire que vous êtes vraiment costaud. Oh la vache, ça me fait bugger. Putain, en plus, je perds du temps à cause de ça. Je couperai ça à la vidéo de toute façon. Ouais.
Oh la vache, j'aime pas ça en plus. Et voilà, en plus, faut le faire au bon moment. D'accord. Vous avez obtenu la perle rouge. Oh, chouette, chouette, une perle poire rouge. C'est exactement ce que je voulais. Eh ouais. Bon. Et bien les amis, sur ce, on va se laisser là. Et surtout, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis soit à tout à l'heure ou à la prochaine. Allez, salut les gars. Now watch me dip.